Tu viens? Il est lourd, Claire n'a pas pu m'aider. Je dois tout faire toute seule ici. On vous fait une petite vidéo relooking et Claire n'a pas fait semblant. Coucou tout le monde. Coucou. Aujourd'hui on vous fait une vidéo, comme vous l'aurez compris, où c'est Claire qui va me relooker. Elle a choisi 4 tenues pour moi. Je suis allée sur les sites Azos et j'ai utilisé Igral, ce qui m'a permis de récupérer pas mal d'argent sur, sur cette commande. Et Dieu sait que j'ai perdu de l'argent. J'étais à la base ruinée, mais franchement grâce à Igral j'ai grave économisé. Je m'attendais pas à recevoir un aussi gros cashback. Attendez, c'est quoi le cashback? Le cashback, c'est la vie. En gros, c'est comme avoir le beurre et l'argent du beurre. Parce que le principe du cashback, c'est que tu fais tes achats et tu récupères une partie de ton argent. Et c'est Igral qui régale. Mais comment c'est possible? Tout simplement, quand tu fais un achat via Igral, le service Igral touche une commission du marchand. Et Igral te redistribue cette commission. Et c'est gratuit et sécurisé. Sur une commande de 700€, j'ai eu un cashback de 20€. Du coup, on peut installer une extension sur Google Chrome. Comme ça, à chaque fois que vous allez sur un site partenaire d'Igral, ça vous indique que vous pouvez activer le cashback, ça vous dit le taux de cashback et vous avez juste à l'activer. Il faut juste s'inscrire et se faire un compte sur Igral. Ouais. Et c'est là du coup qu'on intervient. On a un petit cadeau pour vous. Si jamais vous vous inscrivez sur Igral pour la première fois en utilisant notre lien qui est dans la barre d'infos, vous avez 7€ offerts direct dans votre cagnotte Igral. Si vous inscrivez sans utiliser notre lien, ce qui est possible aussi, vous gagnez 3€ de bienvenue. Alors qu'avec notre lien vous gagnez 7€ de bienvenue. Ça vous avance déjà bien parce que vous pouvez récupérer votre argent et vous faire un virement à partir de 20€. Vous avez juste à vous inscrire et c'est gratuit. Donc, franchement... Et il y a énormément de sites partenaires. N'hésitez pas à aller faire un tour, à utiliser notre lien, comme ça vous avez les petits 7€ de cadeaux. Je vais te donner les colis, comme ça j'essaie de te faire une tenue que tu la découvres au fur et à mesure. Et pour info, voilà, elle est comme ça depuis 3 jours, elle est insupportable. Parce qu'en plus le colis a eu du retard. Oh là là, un gros bébé. Énorme. Elle s'est aussi acheté quelques petits trucs, donc dans les 8 kilos, il n'y a pas que pour moi, on doit le dire. Ouais, c'est vrai que quand en fait j'ai fait son shopping et je suis tombée amoureuse de trop de trucs en fait. Ouais, t'es un peu pressée. C'est un gros bébé. Ben, on va commencer avec la tenue que je suis sûre que tu vas aimer. Oh là là, j'aime trop. Déjà, j'aime trop ce que je vois. Ça, c'est le bas. Oh, un jean. J'aime trop, donc du coup ça a l'air d'être un jean plutôt simple on dirait, mais déjà la couleur elle est trop belle. C'est un jean mom, j'aime trop, j'avais trop envie de m'en acheter un, donc je t'en ai pris. Ne me dis pas que c'est un pull avec des nuages hein. J'en ai pris un sur jean. Ah bon, mais ça c'est pas un jean. J'en ai pris trop même sur jean. Il aura fondu d'ici que je l'ai. Ensuite... J'ai envie d'essayer tout de suite en fait. Attends, en haut, regarde pas trop toi. Oui c'est trop dur aussi. Je te regarde pas, c'est pas possible ça. Ça c'est le t-shirt qui va avec. Oh, il a l'air trop chou. Il est trop chou. La petite touche qui va bien avec, c'est ça. Du coup, le jean. Oh, surkiff. Oh, j'aime trop. Trop mignon. Et des petites chaussettes comme ça, blanches, avec un petit détail brodé. J'aime trop. Et ça. Mais c'est trop mon style. À la base, ça, c'est un pull de mec, du coup. Et franchement, je trouve qu'il fait très unisexe. Hein. Je trouve qu'il va très bien aux filles aussi. Grave. Du coup, c'est un magnifique pull avec des petits nuages comme ça. On va montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Franchement, j'adore. Franchement, ça, c'est sûr que je la garde. Tiens-moi. Et là, il y a les chaussettes smiley. J'avais oublié un petit détail. Donc, le pull nuage. Il est très sympa aussi, mais je le trouve peut-être un peu trop grand pour moi. Je vais vous montrer. Mais les manches, vous voyez, enfin, c'est un truc pour homme, quoi. Donc, pourtant, c'est du S. Moi, ce que je ferais plutôt, c'est voilà, de rentrer juste un peu devant, comme ça, derrière le laisser sortir. Et franchement, c'est sympa. Mais je sais pas si je vais le garder, parce que c'est vrai qu'il est très grand. Prochaine tenue. Tenue numéro 2. Donc là, normalement, c'est un peu moins son style, mais je sais qu'elle va quand même adorer, normalement. Alors ça, c'est quoi? C'est une chemise? Donc c'est une chemise, toute simple. Ah, c'est une robe! C'est une robe chemise. J'aime trop. C'est une robe chemise blanche du coup. J'espère qu'elle est pas trop transparente. Ouais, j'espère aussi. Attends, donc j'ai pas terminé pour cette tenue. Ça. Oh, déjà c'est trop chou. Hein. Mignon. Un petit gilet court sans manches. Trop jolie couleur. Oh, il est trop mignon lui aussi. La qualité elle est ouf en plus. Hein. L'autre petit haut alternative à mettre avec la chemise robe. Regarde. Et ouvre le cœur. J'adore la couleur, punaise. Les couleurs sont magnifiques. C'est magnifique. Là, il y a le petit cœur brodé, le petit détail là, j'adore. Juste magnifique. Vraiment trop beau. Et cette couleur, waouh en fait. Voilà le petit rose trop mignon avec le petit cœur là. Franchement, trop beau, j'adore. Donc là, c'est une petite robe. Donc voilà, donc ça c'est de dos. À mettre avec des petites chaussures blanches, je pense, quelque chose comme ça. J'aime bien, mais j'ai peur que ce soit un petit peu transparent là. Je vais voir si je la garde ou pas, mais en tout cas, quand même très sympa. Ça, le truc rouge, je pense que je vais le garder parce que ça se met avec autre chose. Hein. Du coup, voilà, là, ça c'est avec le petit haut violet.
J'adore la couleur, vraiment trop trop beau. Voilà, toujours avec la petite robe chemise. Je pense que je vais peut-être l'essayer avec un jean. Je trouve que c'est très mignon aussi avec un jean. Maintenant, on va passer à la troisième tenue. Je suis trop contente, j'ai peur que ça s'arrête. Trop chou. Alors, pour la troisième tenue, j'ai pris ça en bas. Ça, c'est un pantalon. Waouh. Il a l'air hyper chaud et épais en plus. Et ouais, il a l'air bien cintré en haut. Magnifique. Et donc, c'est un pantalon comme ça. Ouais. Avec une coupe droite. Trop trop hâte d'essayer. Et attends, je vais te montrer ce que tu vas mettre en haut avec. En haut, t'as ça. C'est quoi? C'est un col roulé noir? Ouais. Oh, trop bien, il me fallait en plus un col roulé. Je voulais trop m'en acheter un. Et en haut, ça c'est la grosse pièce qui coûte bien cher. 150 euros. C'est ça. Oh, le gros bébé. C'est un manteau. Oh là, il a l'air fou. Il a l'air chaud en plus. Oh, le col trop beau. Et magnifique. Ah, bah, elle est trop bien avec ce que t'as offert, punaise. Oui. Mais elle a pas fait ça au hasard. Les deux paires de chaussures que je t'ai prises peuvent aller. Avec je vais te donner la plus classe parce que c'est celle à laquelle j'avais pensé. On va aller avec. Oula, des talons. Ah, elles sont grave belles, par contre. Elles sont juste trop belles. Waouh, c'est des talons du coup avec une matière chaussette un peu. Le talon en plus il est un peu carré donc je pense que tu vas pas zigzaguer dans la rue quoi. Tu vas être totalement transformée. Hein. Ouais. Je suis choquée, c'est tellement pas son style. Ouais, mais ça va être trop beau, tu vas être hyper élégante. Bon, le nœud je l'ai fait un peu vite là, hein. Faut pas trop gaffe. Voilà. Elle est sympa sauf que j'ai l'impression qu'elle est un peu petite pour moi au niveau des épaules. Du coup je pense que je vais la recommander une taille au-dessus quand même parce que sinon elle est très jolie je trouve et elle tient bien chaud pour le coup. Là j'ai mis les chaussures. Tout est très carré sur ce talon. beaucoup trop petit. La dernière tenue, c'est ça. C'est une robe. Ah, c'est une robe. Ouais, c'est une robe. Mais trop mignonne. Je sais pas si vous arrivez à voir la matière, c'est très sympa. Ça fait très robe d'hiver et tout, j'aime bien. Elle est trop belle. En bas, donc t'as des collants noirs tout simple. Oui, voilà, des petits collants noirs. Et ça, c'est la paire de chaussures qui va avec. Waouh. T'as vu le petit détail? Waouh, waouh, waouh. Je trouve trop beau. Donc ça, c'est des petites bottines comme ça, avec un petit détail qui est vraiment argenté. Qui fait trop beau. Ouais, argenté au niveau du talon. Donc me voilà avec le manteau, avec mon petit sac à main comme ça. C'est trop beau, très sympa. Ça fait super élégant. Comme vous pouvez le voir, on aime bien ces petits cols roulés noirs. Je suis fatiguée. C'est moi qui achète les vêtements et celle qui dort. C'est pas du tout droit, hein, la caméra. C'est vrai qu'on nous en voudrait pas si on a un petit peu penché. Ce que j'ai préféré le plus, c'est les jeans boyfriend là, enfin girlfriend mom. J'ai fait toute la famille là. J'ai bien aimé aussi le petit haut rose là, il est trop mignon. Ouais, avec le petit cœur. Les articles que j'ai préférés sur Alice, c'est jean mom, le petit haut rose aussi et la veste. Et le manteau. Moi je l'adore, il lui va extrêmement bien, c'est hyper élégant, moi j'aime trop. Et les bottes, non? On en parle des bottes? Et les petites bottines noires. Les petites bottines qu'elle veut trop voler parce qu'il y a que on a la même pointure que là moi. Et il restait qu'une taille. Si ma taille réapparaît sur le site, je vais foncer parce qu'elles sont trop belles. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter. Dites-nous quelle tenue vous avez préférée. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous ferait super plaisir. Et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.